Salut tout le monde! On va causer sérieusement aujourd'hui du Rocket 7 DBX07 CD Racing, un 7ème Scal 4VD Desert Buggy 2,4 GHz Fast and Furious, etc. Blablabla. Tout ce que tu veux sur la boîte. Le look, t'aimes ou t'aimes pas? Moi j'aime, sauf le chrome sur la cage. Ça c'est dommage. Packaging. La boîte, gros effort ZD Racing pour vendre ça comme les grandes marques. Sérieusement, faut le dire. Pour attirer l'œil aussi, intéressant jeu de couleurs, des matériaux utilisés, tout ça, alu, tralala. Comme je dis toujours, vaut mieux du bon plastique que du mauvais alu. Et c'est le cas ici, précisément. Il y a évidemment plein de chaînes qui ont reçu ça gratuitement ou avec des super remises parce qu'ils sont partenaires. Qui vantent monts et merveilles de cette machine. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le produit de l'année. Rien de là. Si tu compares ça, on va aller en détail après dedans, ne vous en faites pas. Ou par exemple, Arma Mojave. Arma ne fait pas encore. Bon, maintenant ils ont sorti un Desert Buggy du genre, mais bon. Il est différent. Mais bon, 750€. Là, 450€ le roller, 150 d'électro. La radio, le cerveau, tu peux t'en tirer à 100 balles de moins que le nouveau Arma ou à peu près l'équivalence du Mojave. Si tu prends le RTR, t'es moins cher, mais t'as un moteur moyen, un vario pas terrible, un cerveau qui est pas de taille. La radio, bon, bah, elle fait le boulot. Je comprends ça pour ceux qui roulent pas souvent, qui veulent juste un engin pour rouler cool, tu vois, ils mettent les batteries dedans, 4S ou 6S et diminuer l'étagement de transmission, ça aussi on va y venir pourquoi, et profiter de la machine, se balader comme ça en prairie, parce que c'est un engin assez grand quand même, donc c'est assez sympa à voir évoluer. Comme dit, si t'aimes le look, de toute façon, c'est normal. Les pièces coûtent 3 fois rien, elles sont toutes disponibles facilement. Ne devrait pas tarder à voir arriver ça par des importateurs aussi, je pense. Faut faire attention à cette histoire de cardan. Donc soit tu n'as aucune connaissance, tu brides uniquement ton débattement de suspension, c'est vraiment très important, les mecs, de brider ce débattement de suspension, si tu le laisses comme il est sorti de la boîte, pour ne pas aller flinguer tes diffs. Parce que si tu ne le fais pas, tes cardans vont pousser les noix et tu vas broyer tes diffs. Les diffs, ok, coûtent que 20 balles. S'il suffit de brider les débattements pour ne pas les flinguer, c'est quand même plus sympa. Si tu peux, n'hésite pas à le faire. Tu prends 4 roulements 16 par 8 par 4 que tu mets à l'intérieur de tes fusées. Donc le cardan, il va sortir d'un millimètre de plus. Et ensuite, tu ajoutes ici des rondelles de calage. J'ai jeté la boîte avec la référence. moi j'ai utilisé les serpents, donc 8 mm de diamètre à l'intérieur, 9 de diamètre extérieur et 0,2 de large, je te mets 5, 1 mm, il faut compenser entre 4 et 5, voire 6 selon le jeu que tu as. Fais attention qu'aux sorties de la boîte aussi, comment on pose de ça, eux ils avaient mis, enfin mon modèle avait des calages trop serrés, donc pas bon pour les roulements. Et les roulements, c'est un point faible de cette machine, c'est des double Z, ça c'est pas grave puisque ça se huile, mais ils s'usent très vite. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être parce que tu as roulé en 8S. Non, puisque je n'ai pas roulé plus vite que ce que les autres font en 6. En 6S, franchement, avec ce setup, on avait un... Donc en 6S, ce moteur, il a 17 500 tours vitesse finale. C'est un 750 kV. Et en 6S, je dois dire que c'était suffisant. C'était agréable. Le 8, c'était juste bien parce que ça te permet de mieux rattraper l'assiette. Parce que cet engin fait quand même dans les 7 kg une fois fini. Alors que tu es en 6 ou 8, ça ne change pas grand chose. Il ne faut pas vous imaginer que les setups en 8S, c'est super cher, c'est super lourd. C'est pas vrai. Tu peux faire du 8S au prix du 6. Bien sûr, tes batteries sont un peu plus chères. Parce que tu as une cellule en plus à bord. Mais comme tu roules plus longtemps, ben t'en profites bien. Pour ceux qui font que cruiser, se balader, évidemment, tu peux mettre 2x4S en parallèle ou 2x2S avec des fortes capas, tu pourras faire des runs de 45 minutes sans problème, sans forcer. En 4S avec un moteur standard et l'étagement. Ça, c'est un point dont on va parler parce que moi, j'ai un 750 kV qui a un gros couple. J'avais mis un pignon de 16
Et on atteignait donc une Vmax de 90 km/h. Une autonomie en y allant un peu plus fort quand même de 20-25 minutes. En roulant tranquille dans les bois, vous avez vu, 35-40 minutes. Hein. Avec un moteur coupleux et petit carré. Donc avec un moteur standard en 74 mm là-dedans, avec le pignon d'origine, attention à la chauffe. Donc si tu roules en 4, ça va aller. En 6, tu feras gaffe à la chauffe. Là maintenant, je suis passé à un pignon de 13. Donc tu fais ton calcul hein, en pourcentage. Combien de pourcentage en moins tu as de 16 à 13 dents. Et tu enlèves ça grosso merdo sur ta vitesse finale pour avoir une idée à peu près de combien tu vas rouler moins vite. C'est pas plus compliqué que ça. Ici on tape sur un petit 70 encore. Tranquille pour se balader. Et rien n'empêchera parce que cet engin part chez Nono pour de remettre un pignon plus gros si voilà, s'il veut se balader autrement ou y aller un petit peu plus fort. Alors Nono lui justement il le veut pour se balader, il a déjà un X-Max et il a déjà les batteries 4S et il veut un engin en plus juste pour la promenade, donc ça tombe bien. Il le recevra dans cet état là parce que c'est le deal qu'on a fait et il a déjà une vidéo sur laquelle je vais montrer tout ce qui ne va pas sur cette machine. On le met avec une radio qu'on a reçue d'un tonton, parce qu'il a déjà une radio Link. Donc ça, il voulait passer les deux sur une radio, mais il n'est pas chiant, alors je ne suis pas chiant non plus. Je préfère lui envoyer une radio en plus, comme ça, s'il veut le rouler à deux, c'est jamais, hein, si chéri veut rouler avec, ou c'est le neveu qui passe, ou le fiston, ou le pote, hein, c'est bridable, c'est cool, le vario est bridable aussi. J'ai opté pour le VXL8S Traxxas. C'est un que j'ai depuis longtemps, la première fois qu'il a roulé était dans un scorpion blanc de tonton Ludo, pour te dire. Et il est toujours là. Le moteur, donc, on a eu 2-3 petits soucis moteur, mais qui n'étaient pas ni moteur ni vario. C'était tout simplement la prise entre le variateur et le récepteur, puisque la prise du VXL8 est courte, j'ai utilisé une petite rallonge. Et on avait un mauvais contact là-dedans. Donc on a tout simplement resserré les pins, on a monté ça, et vous avez vu, ce laissait zéro problème. L'avantage du gros moteur avec le couple, on chauffe un peu moins. Il est plus gros, donc il consomme un peu plus. Mais comme il force moins, ça se rattrape par rapport à un 74 mm. Si vous avez envie d'en acheter un, faites-le. Je ne vous conseille pas le RTR. Prenez plutôt le roller à poil. Mettez un moteur, si vous mettez un moteur de 74 mm, 1800 ou 2000 kV, comme dit, attention, mettez un petit pignon. De préférence, mettez un moteur genre plutôt 82 mm. Parce que l'engin est quand même assez lourd, ça ira vraiment mieux. C'est plus sympa, hein. C'est comme ça. Quand ça devient lourd, il faut un moteur plus gros. Les moteurs en 74, pour moi, d'après tout ce que j'ai testé et essayé, les moteurs en 68, ça va jusqu'à un poids 3,2 kg, 3,5 kg. Ok. Après, manque de patate. Entre 3,5 kg et 5 kg, j'utilise les 74. Et au-delà, en général, 5,5 kg, on va dire, ça dépend des setups que je fais et si je vais aller vite ou pas, mais au-delà de ces 5,5 kg, j'utilise des moteurs en 82 mm. Après, quand tu t'approches des 10 kg, de toute façon, c'est pareil, le 82 ça va bien aller jusqu'à un certain point, mais au-dessus des 8 kg, c'est pareil, il faudra un 92 ou un moteur de cette taille-là, et évidemment, il faut étager les S qui vont avec. Hein. Ça, il n'y a pas le choix. C'est possible, mais non, là maintenant, tu vas prendre un moteur Red Ruban. Tu peux faire ça aussi, hein. Tu n'es pas obligé d'aller sur des gros trucs, regarde. Hop. Si tu prends un moteur 1400 kV de ce genre-là, alors ça existe chez Surpasse Taurus, 1400-1500 kV. Tu as le Red Tape en 1400 kV, tu as un Léopard en 1400 kV, la différence c'est le prix. Le Léopard est à 60-70 euros, il prend 8 tests c'est sûr. Celui-là on ne sait pas encore s'il prend 8, on va le tester, il coûte 35 euros. Mais on veut dire que tu veux te faire un setup pas cher. T'achètes un engin pas cher parce que tu veux pas rouler à gogo tout le temps et toujours trop fort. Tu veux passer de temps en temps ton petit pack, 2-3 fois la semaine. Tu vas pas sur un terrain dégueu, tu veux juste te faire plaisir à rouler ta RC. Donc tu prends ton roller à poil, 450 balles à peu près, il faut compter. Un moteur à 35 euros. Variateur, je suis pas fan des varios Surpasse. Les rouges, les noirs, là, c'est vrai qu'ils sont pas chers, mais avec le cutoff, tout ça, là, je suis pas convaincu de ces varios. Et là-dessus, tu peux partir sur un Robitronic par exemple, sur un 70-80 euros, un Taser 150. Tu peux évidemment prendre tout le combo, Robitronic à 145 euros, avec le 2000 kV.
Mais vu le poids de l'engin, moins de carré, ça sera plus sympa, surtout avec cette démultiplication. Parce qu'on a un engin ici qui est plus lourd que le reste de la gamme de ZD Racing. C'est la même démultiplication qu'ils ont mis dans le buggy, le petit monster, le truggy, etc. Sauf que l'engin est beaucoup plus lourd, ce qui fait 1,5 kg de plus que les autres engins de la gamme. Il a des roues de grand diamètre. Et donc, quelque part, cette démultiplication n'a pas été changée. Alors, ok, ils ont fait des couronnes de diff un peu plus grandes pour les 1/7e, mais on voit clairement que si en 750 kV avec un pignon de 16, en 6S, je roule déjà à plus de 60, franchement, on avait franchi un petit 60-65 au compteur, doigt dans le nez. Je te laisse deviner ce que ça donne avec un 1500 kV. Hein, le double du kV avec le pignon de 16. Ou encore pire, évidemment, un 2000 kV. Surtout que si tu passes sur un 2000 kV qui est plus petit, il aura beaucoup moins de puissance que celui-là et de couple, donc il va galérer à emmener la machine. Donc faites très attention à ces démultiplications-là. Ça, c'est. Alors, c'est pas seulement ZD Racing, hein. Beaucoup, beaucoup de marques font cette sottise-là. Sinon, après, tu as pour 60 euros les moteurs Rocket. Là, qui vont bien dedans, 1720 kV, ça devrait être pas mal. Pareil, hein, tu passes sur un, tu vois, t'es le double de kV, donc faudrait mettre, franchement, même avec ça, je partirais sur du pignon 11-12 peut-être pour tester. Faut se méfier. T'as les moteurs SSS, le chouchou évidemment du garage, le 1450 kV du Sennheiser. Ça, c'est notre chouchou ici. On le met dans toutes les sauces en vitesse, dans tous les setups. 6 ou 8, ça va super bien. Après, évidemment, c'est ton budget, tu prends ce que tu veux. Hein. Tu peux passer du Castle, du Obi-Wing, etc. Hein. On part sur un petit budget. Cerveau, je te conseille du minimum 20-25 kilos. Hein. Là, j'ai mis un DS 3218 Pro. Coûte 15 euros livré avec la corne de cerveau alu. L'idéal, c'est d'y balancer 7,4 volts pour avoir ses performances maximum. Là, avec le VXL 8S, j'ai que 6 volts sur le bec externe. Pourtant, vous l'avez vu à l'essai, ça va super bien. Et le gros point positif de cette machine, à part le look, c'est ça. Ces roues sont géniales. Je les ai adorées. Elles sont résistantes. Alors, j'ai pas fait de gros bâches de cochon avec. On les a pas cherchés à mort. Mais on a quand même fait ballonner un petit peu à 2-3 moments. Elles se comportent bien sur tout type de surface. J'en ai recommandé 4 pour un autre projet, tout simplement, parce que je les aime. Coûte 55-60 euros le jeu de 4 sur AliExpress. Il y aura peut-être la douane, mais ça reste, vu que c'est un bon pneu, ok. Alors attention, quand je dis c'est un bon pneu, ça veut pas dire que tu peux avancer 8 à 60 000 tours minute et voilà, hein, tu finis toujours par tout exploser si tu le cherches. Ça, c'est normal. Bien. Alors avant d'attaquer les points positifs. Non, on va continuer le mix point positif négatif. Suspension sortie de la boîte aussi, gros problème. Les pistons livrés avec sont made by Corali, on dirait bien. Mais c'est peut-être l'inverse aussi. Donc les pistons qui ont des réactions différentes parce que les trous sont mal faits. Donc on avait 4 amortos avec 4 réactions différentes. Ça, c'est pas bon. Et des pistons mous, donc ça veut dire sur les gros chocs, le piston il se plie, lui il passe à côté. Voilà, c'était pas chouette. Si tu roules avec la suspension bridée parce que tu n'as pas fait de modif ou tu ne veux pas faire la modif, tu vas être moins à l'aise pour conduire ce genre d'engin parce que du coup il ne sera pas trop du sol. Tu seras obligé de faire une suspension relativement dure pour ne pas taper tout le temps. Du coup, ça devient moche à voir évoluer. Pour ça, moi j'ai préféré modifier pour passer à des battements de suspension maximum pour bien profiter. Tige d'amorto, ça peut casser, mais bon, le choc était violent, normal, c'est rien de. Ça arrive n'importe où. C'est des tiges en 3,5 ou 4 avec un filet de M3. J'ai remplacé par une tige Obao qui, elle, a un filet en 4. Comme ça, moins de chances de rupture au niveau du filet. Les amortos en eux-mêmes sont bons. C'est ok. Moi, ça me plaît. Ils sont soyeux, sont agréables. Ils ont quand même mis tout l'alu partout. Les membranes tiennent le coup. Donc, tout va bien. Pare-choc avant. Aussi, contre toute attente, n'a pas été ratatiné. Pourtant, on est tombé un paquet de fois dessus. Hein. Il est court, il a l'air petit comme ça, juste mis dedans. Pourtant, ça a fonctionné à merveille.
Allez, je me prenais avec mon petit café, c'est le matin. De toute façon, tu vas me dire, j'emboîte la journée du café au lait. Donc tout s'est bien passé à ce niveau-là. La tourelle de suspension aussi, avant et arrière, sont vraiment bien solides. Donc il y a globalement quand même une grosse amélioration de ZD Racing. Mais on n'est pas encore au point où c'est l'engin, quoi. Hein, faut pas déconner non plus. Après, à ce prix-là, c'est normal qu'on en veut un minimum. Les diffs aussi ont très bien encaissé, même le 8S sur les fortes accélérations et tout. C'est là qu'on l'entendait au tournant, ça s'est bien passé. Parce que les anciennes générations, au Viking Berserker et compagnie, tu pouvais oublier, je vais en 6, 3, 4 coups de gaz, t'avais sorti tes dents. Donc là, tout va bien. Déçu sorti de la boîte, les triangles standards du Monster, c'est une autre matière, plus flex, mais je vais en dimension. Les cardans aussi identiques, et ces gros élargisseurs. J'aurais mieux vu des bras longs, mais des cardans plus longs, et pas d'élargisseurs. Comme ça, des battements de suspension encore plus grands. Et voilà. Ces plastiques, c'est pareil. Regarde, sur les pliures, sur les chocs, là où ça travaille, tu vois, ça blanchit. Hein? Donc, ils ont encaissé les flex avec le poids de la machine. Et la température qu'ils faisaient, on s'attendait à pire. Hein? Franchement, elle est toujours entière. Elle est toujours entière. Hein? Mais, m'est avis que s'ils avaient fait les bras longs, ça reviendra peut-être sur une V2, et comme dit pas l'élargisseur, et augmenter la dimension de ces triangles en apport de matière, les laisser de cette matière là mais juste plus gros, ça peut être sympa. Les cales de train ont bien fait le boulot, parce que vous avez vu, on a bien tapé pour casser la tige d'un morteau, on n'a pas dégommé les cales de train, ça c'est super. Direction, rien à dire, sauf cerveau fait son taf, facile à régler, molette en haut, hein. Donc là pareil, une petite cartouche en main avec son truc pas réglable, et puis tous les autres qui mettent le truc en bas, où tu n'arrives pas à régler, regarde-moi ça, tu arrives à les régler ici, tu mets les deux doigts dessus, tu tournes, ça c'est génial. Barre de Ackermann aussi, en gros alu bien épais, elle a pris aussi des coups, on est tombé plein de fois face sur les roues, donc c'est le pire, hein. C'est là que tu balances des chocs dans ta barre de Ackermann. C'est pas plié comme chez Coralie, eux maintenant ils doublent la barre. Ils ont doublé pour faire une impression plus solide, bon c'est sûrement mieux, mais... Je pense qu'utiliser du matériau de meilleure qualité, c'était plus simple que de doubler la barre. On a la biellette à pas inverser, pareil, petite cartouche pour Arma, toujours, qui insiste à ne pas le faire. Boîte radio, celle-là, elle est un peu couillon. Un peu couillon parce que tu n'as pas beaucoup de place dedans, en hauteur surtout. Dès que tu as mis ton récepteur dedans, tu veux fermer, c'est juste limite pour fermer avec les prises. Donc ça, c'est un peu comme chez Serpent, c'est dommage. Il y avait la place pourtant de la faire plus volumineuse, hein. Je suis 5 mm de plus en hauteur, tu étais tranquille pour rentrer à n'importe quel récepteur. Mais ça, c'est du détail, hein. C'est pas grand chose. C'est pas grave du tout. J'ai un câble que j'ai mal posé. Voilà. Variateur, tu as de la place, comme tu peux constater, pour mettre du 4, du 6, du 8. Le vario est vissé par en dessous sur la platine. Je peux que le conseiller que de coller. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, c'est quand le vario est bien vissé. Il n'est pas vissé par en dessous, c'est le vario Traxxas. Il a deux vis pour aller le visser. Et c'est pour ça que je l'apprécie énormément, ce truc-là. Les bacs à batterie aussi sont simples et super efficaces. Ils ne sont pas lourds, hein, ça aussi. Chez Arma, Infraction, tout ça, Limitless, ils ont fait des bacs à batterie de fou. À part récupérer toute la saleté dedans, il ne se passe rien. Là, on a juste buté avant, arrière, latéral et deux sangles. Facile d'accès, très agréable à utiliser et il y a beaucoup de place. Il y a vraiment beaucoup de place, bon, évidemment, dû à la taille de l'engin, mais c'est chouette. Très bonne idée aussi, le palier central, évidemment. Pas de vibration. C'est sûr que la solution au bas haut est meilleure et plus clean. Ça t'enlève un tas de choses. J'aime bien ce qu'ils ont fait là parce que c'est moins lourdeau aussi que... tu vois, alors là, les leaders dans ce domaine, c'est Coralie. Alors, le renfort, du renfort, du renfort, sur la surfixation du renfort. Ils ont poussé le bouchon trop loin, là, Maurice. Arma, déjà, c'est lourdeau, surtout dans le 8S, là-haut. Coralie, ils ont encore passé une gamme au-dessus. C'est pas le mieux, parce que ben, plus de matos à bord égale plus de poids. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les RC dans le temps avaient une plaque inférieure et une plaque supérieure. On n'est pas plus loin de nos jours, finalement.
Cette machine, par contre, mériterait un renfort arrière quand même de là à là. Et je vais te montrer pourquoi de près. Il y a pas de choses à que je vais te montrer de près. Tous les runs de cette machine sont en vidéo. Et je ne crois pas qu'on atteint la dizaine. On a fait, je crois, 2 en forêt. Tu sais, on est peut-être à 10. Hein. Mais tu vas voir qu'au bout de 10 runs, alors que les images sont là, on n'a pas fait le fou. On a fait des sauts, ouais. Parce que, comme certains ont prétendu que c'était le basher de l'année, on y a mis quelques sauts quand même. Et là, vous allez voir qu'on est loin du basher de l'année. Je le répète, donc, c'est pas mauvais. C'est OK pour se promener, profiter du beau son en longueur, rouler version cross. Tout ça, ça va bien. Les setups des huiles, c'est à toi de voir. Moi, je n'étais pas content avec les setups suspension et les huiles de diff non plus. Mais ça c'est du réglable. Ça, c'est le côté simoïsme. Donc, c'est à toi de régler ça. Alors, regarde là. Regarde, la cellule arrière, c'est fissuré. Il n'y a que ce petit maintien ici sur la cellule avec 2 vis M3 pour maintenir tout le renfort. Et ça arrive comment? Ça arrive sur les chocs sur l'arrière. Tu fais un tonneau, tu vois, tu tires dessus, et ben regarde, ça l'a arraché. Parce que la cage renforce évidemment encore en plus, mais la cage ne peut pas tout faire. Parce qu'elle n'a qu'une jonction ici, en articulation, et devant 2 clips. Si j'avais ajouté ici des tétons et ici des trous, taisez-vous, ça aurait aidé un peu plus, mais tout ne peut pas, ne suffit pas. Donc en partant de là au milieu, un petit renfort en plus serait bienvenu. Alors si tu veux faire des sauts, attention, pour tous les autres, ça ne posera aucun problème. La cellule coûte 10 balles, ça c'est le bon côté. Les diffs complets, c'est 20 balles. Alors, le prix de la cage aussi est dérisoire. Et là aussi, hein, elle a encaissé. Elle a quand même 7,5 kg. On a fait un paquet de tonneaux. On a ici les jonctions qui sont parties, mais c'est pas cassé. C'est juste les vis qui sont super courtes. Et elles sont sorties de là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de matière en épaisseur. Évidemment, si tu perces à travers, eh ben, ça va casser là. Donc, je les ai laissées comme ça, libres. Ça suffit, ça fait le travail. La carreau est en espèce de PVC pas en lexan, donc ça c'est dommage. Elle s'abîme sur l'avant, mais le reste, dû à la cage, ça tient très bien. Ça y est, ma puce, j'y t'aime. Donc tout va bien à ce niveau-là. La cage, je crois qu'elle coûte 20-25 €. Et tu en as pour 15 € pour le lexan. Arma, ils ont choisi 80 balles la cage. Attention. Et 2 × 50 balles de Lexan. Il déraille chez Arma. Merci Horizon Hobby de tout bousiller chez Arma. Alors, ce qu'il faudra prévoir aussi, même si tu roules normal, ce sont des roulements à un moment ou à un autre. C'est pas parce que c'est des double Z, comme dit, c'est la qualité des roulements qui est médiocre. Je pense que c'est le fournisseur Funtech aussi, Hobbytech. Enfin, pour Hobbytech, attention, je rigole. Si, le Rogue, c'est les roulements qui sont sur le Rogue. Regarde ça. Je vais bloquer ça. Ça, c'est l'autre truc. On parlait des alus avant. Le roulement se balade dans les portes-fusées. Et bien sûr, l'élargisseur aussi. Il y a du jeu sur l'axe. Et regarde à quelle vitesse tout a pris du jeu. Moi, ça me dérange pas, vous le savez. Vous avez vu que cet engin, il va tout droit quand même, sans problème. C'est juste que, voilà, les malades du jeu, là, à mon avis, ils vont péter un boulard. Alors, faites gaffe, hein. Le lithium, ça se prend uniquement en gélule sur ordonnance. Il faut pas se mettre une batterie dans le tulle en tant que suppositoire. Ça, ça marche pas. Après, généralement, tu es encore plus énervé. Ceci est un message pour les petits psychotiques qui ont plusieurs pseudos. Et aussi dernièrement, on a un abonné qui s'appelle Bruce Lee, et il y en a un qui a pris le pseudo Bruce Lee pour aller mettre des coms désagréables sur plein de chaînes. Méfiez-vous de ces clowns. Hein. Méfiez-vous de ces clowns. Nous, parce qu'on communique, et ben on a communiqué avec Bruce Lee, le vrai. Il a dit non, je t'assure, c'est pas moi, du coup, voilà, tu vois, c'est réglé.
Il n'y a pas de lézard. Mais méfiez-vous. Donc les roulements, ouais, pas terrible, ça bouge vite. Ça prend vite du jeu parce que l'alu étant de mauvaise qualité, enfin de faible qualité, ben, ça s'ovalise, puisque là on a un axe en acier. Ça s'ovalise dedans. Pareil ici pour les vis. Les trous de vis, tout ça, faut se méfier. Donc à long terme, maintenant on a fait une dizaine de packs. Si on continue comme ça, je pense qu'avant la vingtaine, de toute façon c'est mort pour les roulements, c'est mort pour les portes-fusées à un niveau du jeu ou autre. Il existe des pièces ZD Racing, d'autres engins qui se montent dessus aussi, ou des pièces d'autres marques. Perso, au lieu de reprendre des pièces alu, je conseille vivement de passer sur de la pièce plastique de meilleure qualité. On a ici une bonne largeur, donc il y a à mon avis beaucoup de portes-fusées qui vont se monter de différentes marques. Peut-être même, si on se prend le temps de chercher, on trouvera des portes-fusées qui sont suffisamment décalées pour éviter de faire tout le calage. Si tu trouves un porte-fusée qui est un peu décalé vers l'avant ici d'un millimètre, avec deux roulements 16 par 8 par 5, standard, ton cardan il sera déjà plus en arrière. Hein. Donc il y a moyen de faire à ce niveau-là. À l'avant, évidemment, c'est plus délicat, parce qu'il faut que tu aies la bonne hauteur, le bon filetage, tout ça. Mais ça souffre moins de cette prise de jeu-là. Hein. C'est juste vraiment les vis, il faut bien mettre de la loctite rouge. Il faut le monter définitivement, et puis après, voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'engin. Vis de direction aussi. J'en ai une qui était foirée, sortie de la boîte déjà. Donc j'ai fait une entaille avec la Dremel. Chut, tournevis plat pour la serrer, tout simplement. Je te montre. Tu vois, une petite entaille. Et hop, on prend tournevis plat. C'est une vis spécifique. Elle a une petite partie qui est plate. Alors tu peux la racheter évidemment, mais sur le terrain, tu vas au plus vite. Hein. Tu cherches pas trop longtemps. Voilà, comme ça, vous savez où vous en êtes avec cet engin. Donc je répète, ce qu'il faut impérativement faire, c'est soit brider le débattement de suspension, soit mettre 4 roulements 16 par 8 par 4 à l'intérieur des portes-fusées et caler d'un millimètre entre l'hexagone et le porte-fusée pour pouvoir profiter du plein débattement, faire son setup d'huile de suspension, son setup d'huile de différentiel que vous avez envie. Ça n'empêche pas... Voilà, ceux qui veulent rien faire ou qui savent pas et qui veulent juste acheter une machine pour rouler, ça n'empêchera pas de rouler, ça c'est sûr. Ça va fonctionner. Je vous conseille donc le RTR à cause du cerveau et du vario, personnellement. Pareil, si t'as pas envie de te compliquer la vie, ça marche, tu peux le prendre. Mettez minimum, pour ceux qui prennent le roller, un moteur de 82 mm là-dedans à cause du couple. Prenez des moteurs avec des KV bas, entre 1200 et... oui, le moteur Spectrum 1200 kV rentre aussi à merveille là-dedans, évidemment. Donc entre 1200 et 2000 kV maximum. Faites gaffe à l'étagement. Comme dit, là, je le répète, j'ai un 750 kV avec 16 dents. Maintenant, on est passé en 13. On aura toujours une vitesse suffisante. Donc avec un 2000 kV, vraiment 10, 11... enfin, 10, ça va être dur à trouver, les pignons de 10, mais 11, 12 par là. Checkez vos températures. Faire un stock de pièces tout de suite. Si t'as qu'une voiture, je peux comprendre, mais je veux dire, après, tu vas faire quoi? Tu vas prendre tout de suite des triangles, des cellules, et ci et ça, et tu vas te retrouver avec des pièces. Tu auras dépensé de l'argent pour des pièces que tu n'auras pas besoin. Mais ça, c'est à chacun de voir. Moi, perso, tu vois, j'ai pas acheté de pièces, j'ai roulé, et puis maintenant, tu vois, on va commander une cellule. Coller les roulements avant de les changer, les coller dans les portes-fusées, tiens, et ensuite seulement on se posera la question portes-fusées machin. C'est ce que va faire Nono aussi. Il va pas se compliquer la vie, il va prendre l'engin comme il est, il va brancher ses batteries et il va s'amuser jusqu'à ce que quelque chose lâche, tout simplement. Ça, c'est ce qui est bien quand tu as des engins avec des pièces pas chères facilement disponibles. Évidemment, tu as des délais selon où tu peux choper les pièces. Tu auras du délai de commande, mais c'est le jeu avec ce genre d'engin, tu le sais. Et j'attends, bien sûr, les retours réguliers de Nono pour nous dire ensuite ce qui se passe au niveau de l'usure des diffs, à quel moment il aura changé ses roulements, s'il change les portes-fusées ou autres,
tout ça, on aimerait le savoir. Donc pour un prix équivalent à un Mojave V2, il est pas de taille. Point de vue solidité. Pour faire le cochon. Pour le promeneur, ça vaut largement le coup. Esthétiquement, il est chouette. Les pneus sont bons. La transmission, à part cette erreur de longueur de cardan, eh ben, elle tient. Donc, tant mieux. Parce que ça, c'est le plus embêtant. Quand tu as une transmission sur un engin qui lâche et que tu ne peux pas mettre autre chose à l'intérieur ou modifier pour que ça tienne, c'est là qu'en général, pour moi, l'engin n'est pas viable. Le reste, en général, il y a moyen. Tu as vu, pour les cardans, on a eu moyen de se dépatouiller. Donc voilà. C'est ok. C'est ok. C'est juste que tu saches bien où tu mets les pieds. Je rappelle que tous les runs sont entiers dans la playlist ZD Racing. Je crois que Freepoon nous a même fait une playlist spéciale des BX07. Vous verrez tout ce qu'on a fait avec. Donc vous pourrez juger. Moi je roule pas comme ça, donc je serai tranquille. Moi je vais y aller plus fort que ça. Je sais que donc non, c'est pas pour moi. Tu peux dire, oh, mais ce mec là il sait pas rouler, il fait n'importe quoi, c'est de la merde. T'as parfaitement le droit, tu peux même l'écrire. Mais du coup, il faudra montrer des vidéos à toi pour montrer que tu fais mieux que ça et que tu peux justifier ta façon de parler. C'est normal. Puis voilà, je crois que c'est tout. Tu reçois livré avec des mini ventilos pour moteur de 40 mm de diamètre. Ils font sûrement le taf. Je n'ai pas essayé. Tu as tout le paquet de vis avec pour mettre les vis dans les jantes. Moi, j'aime pas trop parce que en fait, tu vas accrocher là-bas. Parce qu'on a vu sur plein d'engins où c'est ça. C'est vrai que c'est esthétique. C'est chouette. Mais dès que tu tapes sur le côté, tu vas arracher les vis de la jante. Il y a le frein à main, le truc inutile total. Donc, j'ai tout démonté, Nono. Tu as tout là avec. Le support aussi pour monter le cerveau du frein à main. Enfin, il y a tout ce que tu veux, si tu veux quand même monter le frein à main ou quoi que ce soit. La boîte d'origine, la notice. Wow, j'ai gardé la boîte d'origine, mec, ouais. Je suis pas inquiet, parce que Nono est un pilote expérimenté déjà. Il sait ce qu'il fait. Il a vu la vidéo détaillée de l'état de la machine. Comme dit, elle n'est pas foncièrement fragile. Donc, et lui, il veut que se balader. Les mecs, je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire. Si vous étiez aux toilettes et que voilà, vous êtes enroulé dans la vidéo, dans les pensées et autres, n'oubliez pas que vous avez encore la crotte au cul, il faut nettoyer avant de sortir. Sinon, à mon avis, ça va se remarquer. Et tous ceux qui ont ces machines, les mecs, balancez des retours, mais attention, ne soyez pas offusqués par ce que j'ai dit ici, c'est du partage, c'est mon expérience, dans ma façon de rouler, qui est disponible en ligne sans la moindre coupure de ce qui s'est passé, donc vous avez toutes les preuves avec cette machine. Donc, partagez avec nous votre expérience. Dites-nous comment vous roulez la machine, où vous en servez, quel type de terrain, sable, terre, gravier, machin, bidule, qu'est-ce que vous avez mis comme combo dedans, est-ce que vous êtes full origine, combien de packs en gros est-ce que vous êtes, qu'avez-vous fait pour l'entretien ou pas, qu'est-ce que vous avez trouvé de pièces sympas pour améliorer par rapport à l'origine ou pas, notamment comme dit au niveau des portes-fusées là, où les roulements se baladent dedans. On aimerait tout savoir. En toute transparence, tout tranquille. Ciao.